jasage de jeux de rôle. Lui-même pour le RPG Week saison 2, numéro 2. On va quand même pas dire les saisons à chaque RPG. Non, mais c'est comme vrai encore la saison. Fait que c'est 2 de 2. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de le défi qu'on se donne en tant que rôliste pour les 6 prochains mois à faire d'ici les 6 prochains mois. Et on s'excuse tout de suite à François Letard de ne pas l'avoir fait en live. Parce qu'on est sur la route. C'est le meilleur moment qu'on a, pas d'enfant, puis la Léo. Petite adore. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais on se lance comme défi, entre autres, peut-être de faire des lives. Vers là. Ah! Ça, c'est, ben oui. C'est le premier défi que je nous lance, improviser comme ça. Faudrait faire des lives, un peu comme les MJ faisaient, là. Tech Gamer, peut-être faire ça, on va checker. Ok, cool. Fait que c'est ça. Vas-y donc, je te laisse la parole. Bon, d'accord. Le premier défi que j'ai, il est comme facile. T'sais, on va commencer de base. Je veux jouer à Questlandia. Ça fait longtemps que j'en parle. J'ai retrouvé les livres. Je suis en train de lire les règlements pendant chier. Il faut que je joue. C'est pas un défi, oui, ça. C'est un défi. C'est comme... C'est un petit défi comme ça. C'est comme dire... moi, mon défi dans la vie, c'est de me marier. Non, c'est quelque chose que je vais faire. Moi, mon défi, c'est de respirer. Non. Bon, tu vois, non, mais c'est pas mon vrai défi. C'est pas mon vrai défi, donc. On avait parlé, je l'ai oublié. Ben, écoute, je vais continuer avec mon défi. Ben oui, comme ça, je vais y repenser pendant ce temps-là. Moi, mon... Qu'est-ce que c'est, mon défi? Si. Notre défi, c'est d'avoir une meilleure mémoire. Cette année, on aimerait vraiment ça, se rappeler de quelque chose. Oui. Ah. Mon défi, c'est de prendre le temps de lire les règlements de Cthulhu. J'ai un petit peu procrastiné dans les dernières semaines parce que j'étais un petit peu débordée par autre chose dans ma vie personnelle. Mais ça, c'est ça. Fait que si moi, je trouve que c'est réaliste pour apprendre... les règlements, puis essayer de maîtriser peut-être à ma fille puis des amis pour commencer. Puis on verra par la suite. Ça, c'est mon défi à moi. J'ai retrouvé le mien. François Letarte, RPGS, il faut que je participe à une de tes games. T'en as 10 de fait sur 16. J'ai jamais été dedans. Faudrait que je participe un moment donné à ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais on dirait que ma vie est remplie, mais tu sais, c'est quoi une vie remplie avec 3 enfants? Faut vraiment que je prenne le temps d'embarquer dans une game au moins. Peu importe le système que tu choisis, il faut que je sois là au moins une fois. Ça, c'est le défi que je me lance. Fait que c'est comme conjoint avec le tien. Fait que si tu réalises le tien, faudrait que j'embarque. Puis j'ai comme une fenêtre de 6 mois pour le faire. Puis 6 games. Puis là, inception de défi, on va continuer en se lançant mutuellement un défi. Ouais. Ouais, président. Lance-moi un défi, ouais. C'est un défi que je t'ai déjà lancé par le passé. Hein? Puis j'aimerais vraiment ça que tu finisses le RPG Week de l'année passée ou un RPG ED, au pire, un vieux RPG ED, que les questions, que c'était des questions et non pas juste des mots. Ça peut être cool de faire de quoi de genre. Je pense que c'est ça le défi. Ou le simple défi qu'on ne manque aucun RPG a week en somme. Ok, là, c'est ça. Ça fait 3 là. Ouais. Ben, c'est tout. C'est des défis en vrac. Ok. Mm-hmm. Moi, j'ai un défi pour toi. Ouais, j'ai peur. Je te connais. Je te donne le défi en 6 mois de créer une chanson sur les jeux de rôle. Okay. Et la mettre sur ta page YouTube. Ça peut être une parodie d'une vraie chanson, mettons. Ok, avec la mélodie d'une vraie chanson, ça va. Tu sais, comme j'avais déjà fait quelques parodies, ok? Mm. Tu sais, j'avais fait, comment ça s'appelle, Rolling in the Deep de Adele. J'avais fait une parodie de ça, puis ça parlait qu'un guerrier a besoin d'un healer. Je vais en travailler une autre. Oui. Ça, j'ai fait une parodie où j'ai déjà créé une chanson de toute pièce, cuillère rime avec lumière. Je me souviens, c'est Marc qui avait demandé genre, hey, j'aimerais ça l'entendre. Moi, j'avais juste dit non comme ça. Je pourrais checker
les autres tunes de Abingadon pour faire ça. C'est une bonne idée de défi. Il faut que tu l'inventes. Oui, oui, je vais soit ça va être une parodie que je vais faire les paroles moi-même, tu sais, ou une chanson que je vais inventer de toutes pièces avec deux accords et plein de paroles. Puis là, j'ai pas fini. Ah, ben, je t'ai peut-être dit merci pour le défi, là, mais ça dépend aussi si t'en vas avec la suite. Non, en fait, c'est un inception de défi. Inception. Je lance un défi à tous les YouTubeurs roulistes. Boum! Il faut que d'ici 6 mois, on se rencontre tous avec nos enfants, puis qu'on fasse un événement genre jeu de rôle ou parler de jeu de rôle ou quoi que ce soit. Un grandeur nature! Ouais, qu'on invente des rêves. Mais il faut qu'on soit tous là. Donc, il faut vraiment ouvrir nos agendas, mm-hmm, et décider, garde, éliminer les dates qu'il y a une personne qui ne peut pas. Parce que. Ça serait vraiment cool parce que sinon. Il y en a peut-être une ou deux que je veux pas défi, voir, mais. Non, si vous n'êtes pas là, vous n'avez plus le droit de faire de vidéos. Ça marche pas, c'est pas. François, le temps, tu seras pas très fier. J'en exagère tout le temps un peu. Hein. Mais c'est une super bonne idée. Pour vrai, elle vient d'improviser ça là, c'est super bon comme idée. Vous voyez pourquoi que. Je l'aime être allumée, être. Ouais. Fait que. Ben, je pense que ça va conclure sur cette. Sur ce point culminant. On va dire culminant. Sur le point culminant, ben on va arrêter cette vidéo-là. Il est temps. Fait que son défi, mon défi, nos défis et votre défi. Votre défi. Bye. Je vous aime.